Hey, tout le monde, c'est DarkoGaming31. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Last of Us. On se retrouve deux ans plus tôt avec Ellie dans l'hôpital. Dans un hôpital. C'est pas l'hôpital du 1, ça? Mais c'est des baisers de un peu plus court que les autres. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Cet épisode sera beaucoup plus court que je. Allez, il doit bien y avoir quelque chose. Cet épisode sera vraiment plus court que les autres. Comme lui, ça doit pas durer longtemps. Ouais, il y a des petits rats. Waouh, là là. Ouais, ouais. C'est bien l'épisode. C'est bien partie de The Last of Us 1. Là, c'est la porte où il y a Ellie à se opérer normalement. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, je m'en souviens. Je me souviens ici. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée. Ah ouais. Ça changerait rien. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée. Ça changerait rien. La seule personne. Ellie! Bon, je pourrais plus. Viens là. T'es complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Oh, là. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi, ce qui s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Aha. Peu importe ce que c'est. Imagine pas un truc. Il peut pas lire la vérité. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Voilà, elle t'a dit de la vérité au moins. Oh,
Je t'interdis de me toucher, compris? Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. Ah mais alors elle lui a dit la vie. Elle lui a dit la vérité. Avec Ellie et les deux Seattle jour 3. Se défourcer, Ellie, wesh. Elle avait la trace de la fléchette qui s'est pris à l'épaule. Dina. Jessie. Dina, Jessie. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde, Joël. C'est ton préféré. Ouais, c'est putain, y'a personne. Dina, Jessie. Oh, j'ai peur, les gars. Dina, quoi. Avoir un combat avec Ami, je sais. Et je suis où là? C'est où je suis, wesh? Ah, il y a une porte là. Non, c'est la porte du géant. Waouh. Dina, Jessie. Ils sont où tous les deux? Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On tape. On va chercher Tommy. Ça, c'est un bon, ça. L'aquarium, dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby.
Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part, alors. Je te rejoins devant. Cool. Ouais. Enfin, un duo. C'est beaucoup mieux qu'on ait deux. Oh, pauvre Dina. Je comprends. Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. Oh. C'est tout de la peine. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Oh. Comment on fait pour rester au 7 dans cette ville? Ok, vas-y. Ok. Qu'est-ce que t'as dit à Dina? On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël... C'est brouillé, avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. En fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer. Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. On est d'accord. On s'arrêtera quand on sera pas loin de la courrier. Merde. C'est bloqué. Tu crois qu'on peut couper par le centre de congrès? On peut essayer. Ouais. Quoi, qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça? Hein? Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Allez. Hop, on améliore ça tout de suite.
combien de temps Luna est malade? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolf. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Faut pas la chercher. Non, en vrai, Luna se défend bien, mais... Je sais qu'elles sont ça. Non, mais on aurait été trois. Nickel. Viens m'aider. Allez. Pousse. Par ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit ? Pour le bébé. Écoute, je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Qui t'a dit ça? Le chef intermédiaire. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste des unités et on lance la sonde. La dernière fois, ce sera pas. Quadriller toute la zone. Trouvez. Je les ai trouvés. Juste là. Et voilà le travail. Ces wolves, ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça, séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance. Moi, je rentre comme ça. Salut. Oh,
trucs qu'ils ont fait avec les affiches. C'est quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aiment ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Ah ouais, la comique expose l'unité. Mon arme. On va quoi ton fils, le fils. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Il est juste à côté de la grande roue. Ah, j'espère que Tommy a les mêmes infos. Et merde. Va falloir y aller à la nage. Cool. Bon, les amis, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous vous aurez plu. À la prochaine.